Salut tout le monde, c'est Coca X Ghost. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Gauthier. Salut tout le monde. Pour l'épisode 6 du Let's Play sur Diablo 3, donc on va avancer. Donc si vous avez suivi les derniers épisodes, on est à Wartham là, on doit entrer dans une caverne comme vous pouvez voir là. Il est 14h40, donc retenez bien. Donc à 15h, l'épisode sera fini. Voilà. Comme ça c'est dit. À moins qu'il y ait un truc spécial, donc là on fera durer un peu plus l'épisode, je pense. Oui. Vu que là on commence quand même à approcher de... Enfin pas de la fin de là quand même pas. Il y a des coups de freeze là. J'aimerais bien regagner un peu de FPS. Allez, montez les petits FPS. Je vois ça. Prise séparément, les jeunes araignées peuvent sembler inoffensives. Donc je suis désolé, quand je suis ici, ça bug un peu. Car partout où l'on trouve des petits... Ah, des horreurs arachnides. Ça c'est quand même assez chiant. Ah putain, ils mettent à chaque fois de la... Oh putain, une grosse toxique, comme elle est grosse. Les petits eux-mêmes sont dotés d'un appétit. J'arrive pas à viser la petite. T'es là ? Ouais. Tu sais, tu peux parler. Non. Ouh, purée. T'as toutes les mêmes. Allez, ça crève. Moi je dirais que après cet épisode, on montre notre clé World of Warcraft. On pourrait faire un petit épisode World of Warcraft, je sais pas comment. Faudra que je regarde si je l'ai. Bon, c'est mon. Enfin, si on peut voir. Si, ça peut aussi être bien. Il y a quand même pas mal de gens qui jouent, donc c'est qu'il y a. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. C'est sûr. Non, mais parce que moi je sais pas du tout y jouer. Moi en plus, j'ai jamais joué. J'ai jamais vu de vidéo, jamais joué. Ah. Moi j'ai déjà vu mon frère y jouer, mais. Ah, tu vois ton frère, il est là ? Mon grand frère. Ah. Attends, je fais un petit coup de mitraillette. Et puis voilà, elle est réglée. Niveau 12. Ouais, pareil. Ah, ça fait stylé, je trouve. Les deux en même temps, passe de level. Mes chiens, ils vont devenir plus puissants. Active, débloqué. Oups. Ah, donc j'ai débloqué un anneau. À quoi ? Un anneau. Enfin, j'ai reçu un anneau, je veux dire. Donc là j'ai... Vite, un gobelin. Tire de bolas. Qu'est-ce qu'il y a? Un gobelin. Tire rapide. Attends, c'est bon. Chaque rame, c'est quoi? Lancer une lame tournoyante, meurtrière qui travaille ses ennemis. Moi, je préfère tir rapide quand même. Écran de fumée. Chose trap, j'ai plus qu'un autre truc. Augmente l'effet de ralentissement, chose trap. Écran de fumée, c'est quand même peut-être mieux. Ah, moi j'ai des chiens enragés. Ouais. Je vais laisser ça comme ça. Donc le chakra. Viens. Je viens de tuer un gobelin là. Bon, attendez, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble un peu le chakra. Vu que moi non plus je connais pas. Donc c'est quelle touche? Ah bah ça va venir. Non, pas encore. Ok, bon. C'est pas terrible. Enfin, moi je préfère. C'est très puissant, ça fait énormément de dégâts. Enfin, moi je préfère ma mitraillette. Il faut plus de temps. Enfin voilà. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi je préfère les mitraillettes. Crise pas en cuir, attends, ah, j'ai un objet. Ouais, je viens de tuer un gobelin en fait. Ah oui, ouais, je me suis dit. Il est sorti d'un... Je l'aurais aussi aidé à tuer. Encore un. Ah putain, là, on a vraiment chanceux, hein, c'est un truc de fou. Donc, pousse... Non, il va s'enfuir. Non, c'est bon. Il est mort ? Il va mourir. Oh yes! Ça c'est cool que l'on se loupe pas sur ça parce que. Souvent moi quand je joue à ce jeu, ils s'enfuyaient. En Armageddon ils sont plus costauds et il y a tellement d'ennemis très forts autour que. Ouais. Bon, j'ai jamais le temps de t'attarder là, tu les tues en 2-2 les ennemis mais. Armageddon, t'as réussi à battre Diablo? Ouais, j'ai battu tous les boss en Arma, même Gom. Non, parce que Gom est plus fort que Diablo. Ah bon? Beaucoup plus fort. Gom. Gom, c'est dans quel... C'est l'acte 3, c'est la 4-3. Ah d'accord, ouais. C'est le mi-boss, on va dire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il est très 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 fort, mon arma. Il est vraiment impressionnant, c'est fou. Par rapport à Diablo, qui est tout nul.
Franchement, à part les ombres dans Diablo, j'ai débloqué le bolas, regarde ce que ça fait. Ouais, ça fait les explosions. C'est plutôt. Tu verras, à un moment, t'auras des bolas verts qui t'en tirera tout plein. Ouais, c'est stylé ça. Allez, les chiens. En plus, maintenant, ils sont empoisonnés, mes chiens. Ouais, ouais, je les vois, ils sont verts. Merde, j'ai pris le puits de guérison, on aurait pas besoin. Bon, j'en refais déjà plus de dégâts là. Ça fait déjà plus mal. Mal. Ouais, ça se dit. Faudra encore qu'une fois on s'organise en semaine pour que quand on tourne les épisodes. De toute façon, je pense qu'on peut faire ça déjà le week-end vu qu'avec tous les épisodes qu'on a fait là. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas, là pour le moment on est bon. Au pire, bah des fois si t'es connecté et que t'as envie de tourner du Diablo et moi aussi, bah on pourra y aller. Bah, rien que les mercredis après, on a largement le temps de. Ouais, ouais. De toute façon, en général, bah là d'affilée, c'est déjà quoi, le troisième épisode Non. Ah si, là oui, à l'affilée, ouais. Non. Si, si. Non, si. Le troisième épisode d'affilée. Ouais, ouais, si, t'as raison. Donc, vous voyez que on est vraiment motivé. Hein. Enfin, si là quelqu'un dit qu'on n'est pas motivé, je le comprends pas du tout. On le frappe. On vient le chercher et on le frappe. On le viole. J'espère que c'est une meuf. Non, non, arrête. Ils vont, on aura encore les flics chez nous pour avoir dit des trucs malsains dans les vidéos. Ouais, vulgaires. Je trouve pas, je sais pas toi, mais moi je trouve pas la chambre de la reine d'Aria. Ah. Je vois qu'il y a un chemin qu'on n'a pas exploré. Je pense que c'est un cul-de-sac. Ah non, même pas. Oh, produce toxique, peste, bête. Ah, des champions. Non, pas champion. Non, mais m'a effrayé parce qu'elle était grosse. Oh, mais c'est pareil. Bon. J'allais dire un truc pervers, mais non. Oui, non. C'est interdit par la loi. On est en public. On pourrait pas le croire, mais on est en public. Ah ouais, tu vois, c'est les rôdeuses toxiques, en fait, ça impressionne, vu qu'elles sont grosses. On trouvera largement plus grand, genre... tu sais, les espèces de... les gros trucs, là. On voit à peine leur tête sur l'écran. Tellement ils sont grands. Tu sais, ils nous foutent un coup... les marteleurs, un truc dans le genre. Ah oui, les rois marteleurs. Ouais, voilà. Ah oui. Les trucs qui font une taille énorme. Ça, c'est impressionnant. Bah, ils te foutent un coup, t'es mort. Ah, ça, oui. Ceux-là, oui. Ils pardonnent. C'est vraiment des monstres, hein, c'est... Ils pardonnent, rien. Ils font très bobo. Je sais pas si ça se dit. Ouais, ils font très mal. Ah, putain, elle commence à avoir un peu de pupeuse, hein. Bon, ça va encore, on est tranquille. J'aime bien la mitraillette quand elle est jaune. J'ai pas envie d'appeler ça autrement qu'une mitraillette. Parce que tir rapide, voilà quoi. Enfin, ouais. En plus, ça fait tout. Donc, c'est cool. Putain, ils prennent cher quand même. Aïe aïe aïe. Ah, moi, ça me fait bien plaisir de recommencer avec un féticheur. C'est sympa. Moi, ça me fait très plaisir de commencer avec un chasseur de démons. Quelque chose que j'apprécie beaucoup. Un masque tribal. Alors, j'ai su qu'elle était ma tâche. Je pense qu'il peut t'intéresser. Montre, ouais. Tu es où? T'es là. Je pense que ça peut t'intéresser, après je sais pas. Si, ouais. Let's go. Bon bah, j'aimerais bien qu'on trouve cet endroit là. J'ai vu un coffre, ouais j'ai vu un coffre, allez un coffre. Oh bon, 3 pièces d'or et 2 objets pourris. C'est pas trop utile. 2 pièces d'or, quoi. Alors regarde, viens, par là, on n'a pas découvert encore. Un coffre. Un anneau du lion. Ok, un anneau, ça j'aime beaucoup. Voilà, comme ça j'ai déjà 2 anneaux sur moi, il manque juste une amulette. Mais méchant, moi j'ai même pas encore d'ailleurs. T'as un casque? Oui, j'ai un casque. Oui, il manque les anneaux, les mulettes et les épaulettes. Ah, ah ça fait pas mal quand même. Les épaulettes, je crois, on les trouve que à l'acte 2. Ouais, ou alors fin d'acte 1. Ouais, c'est rare à l'acte 1. Ouais, enfin, je sais pas, on verra. L'acte 1 normal, bien sûr. Ouais, en normal.
Après, je vais voir si j'ai encore quelque chose à boire. Hop. Tu vois, j'ai faim, j'ai soif, c'est super. Je pense après cet épisode, je vais aller chercher des petits trucs. Donc on enchaînera pas tout de suite, genre on enchaînera 10 minutes après. Déjà, l'araignée... Il est pas mal le pouvoir là qui envoie des ronds. Bon, moi je ramasse les pièces. Bah ouais. J'ai un truc pour toi là. J'ai pris un objet pourri. Attends. Est-ce que tu as des gants? Ça pour toi. Oh, t'as déjà des brassards ou des gants? J'ai des... Oui, j'ai le gant et le brassard. Non, il est pas trop bien. Il t'augmente ton attaque, non? Il m'augmente de 1 dégât, mais sinon bah, j'en ai déjà. Enfin, sinon il me baisse des trucs. Ah, ça c'est très bien. De plus d'or et plus d'objets magiques. Bah vite, faut qu'on se dépêche. Hein. En fait, ce qu'il faut acheter, c'est un casque avec une chasse. Et dessus, tu mets une pierre rouge. Comme ça, tu trouves. Tu as 25% d'expérience en plus tout au long de ton aventure. Un rubis? Ouais. Si tu veux, j'en ai. Si tu veux t'acheter un casque avec chasse. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des gemmes carrées sans défaut, mais il me semble qu'on peut pas mettre les meilleurs rubis sur notre joueur, non? On peut jamais, si. Sérieux? Si, on peut. On peut mettre des rubis, genre étoilés, tout ça. Ah ouais, on peut mettre n'importe lequel. T'as la plus grosse pierre du jeu, tu peux la mettre sur un perso niveau 1 s'il a un casque enchassable. Ah ouais, je pensais pas. Donc ça, c'est très bien, parce qu'avec le casque enchassé avec un rubis... Tu augmentes deux fois plus vite ton XP, quoi, c'est impressionnant. Ouais, je pense. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça sur mon barbare. Attends, viens, là où il n'y a pas un truc. C'est dur quand même de trouver cet endroit. Hein. Ça, c'est galère. Ma maîtresse, Max. Oh, attends, il y a des ennemis. Ah, attends, je fais demi-tour. Ah, il y a beaucoup d'ennemis. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Hein. J'ai l'impression que j'en fais même pas. Ah, elles sont costauds celles-là. Et puis même, moi je me suis plus là, j'ai plutôt de la résistance. Ouais. Je cherche pas à faire plein de dégâts. Ouh, ça c'est un boss marrant. C'est aussi okay. Un boss un peu intermédiaire. Bah ouais, donc vous allez assister à un boss. C'est pas mal. Enfin, de toute façon, ils vont assister à tout. Bah oui. Puisque tous les actes se répètent, mais dans des difficultés plus dures. Ouais, voilà. Et c'est souvent pas au même endroit. Hein. Ouais, avec des champions quand même beaucoup plus puissants dans les différents actes. Ouais, genre les berserkers ou les rois mortleurs boss carrément. Alors voilà la reine Aranea. Donc c'est ça un petit boss. Hein. La 4232 PV quand même. Ah bon? Ah bah oui, moi aussi, faudra que je le règle ce machin. Putain, elle fait mal à mes chiens. Elle est passée où? Elle est partie, et là elle nous envoie des petits sbires pour... Oui, je m'en rappelle plus. Tenter de nous tuer. Elle fait sa tapette. Ah, elle commence à mettre des ronds là, c'est pas trop bien ça. Ah oui, c'est de du venin. C'est bobo. Oh, je fais un coup de mitraille dessus. Donc. Allez, venez. Il faut plus de temps. Je leur envoie des malédictions. Le chasseur de démons, on a deux pouvoirs. Oui. Non, parce que je bug. Quand je tire, ça fait plein. Ah, voilà. Ouh, il fait bobo là, la pauvre. Attends, moi, je lui envoie mes grosses chauves-souris qui font plein de dégâts. Là, elle commence à prendre beaucoup de dégâts. Là, elle commence à avoir très très mal. Allez. Voilà, oui. Nickel. Ouh, une épinard jaune et un anneau jaune. Ouais, un anneau jaune, un lance-pieux jaune, une arbalète de languille. Attends. Ah, t'as eu des bons trucs alors, parce qu'un lance-pieux... Oh bon, une arbalète rare, mais très mauvaise. Hein. Ah ouais. Une 16-3. Elle fait mieux que l'autre que j'avais. Par contre, moi, j'ai une épée rare, pas super. La Nora, elle me donne plus 50 points de vie, plus 1,8 dégâts et plus 0,4 de protection. M'augmente tout, en gros. Regarde mon bel anneau que j'ai eu. Quoi? Attends. Ce que j'ai eu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Passe-moi ton autre anneau si tu veux. Il veut bien, parce que moi j'en ai pas. T'as vu mon bel anneau? Ton anneau? Non, je ne le vois pas. Dans le chat.
dans le chat. Oh. Pour un anneau de... Il est pas mal. Ouais. Bon, le mien aussi, il est pas mal. Hein. Montre. Attends, bah attends, je t'inspecte. Oui, inspecte-moi. Ah bah il est très... Eh bah, il est parfait pour toi, en fait. Hein. Regarde, hein, j'ai deux arbalètes avec des gros pouvoirs. Bah toi, il est bien, l'anneau que t'as, parce qu'il est, il est excellent pour le chasseur de démons, vu qu'il fait vitesse d'attaque, dextérité, vitalité. Ouais, c'est nickel. Plein de... Les trois trucs qu'il te faut en... à fond. En gros. Bah viens, on va... Ah, attends, moi je vends là. Le truc, la Karine, je sais pas quoi. Ah, elle est grosse. Attends. Elle a des grosses seins, regarde. Oh putain, ouais. Putain, c'est des babons. C'est des balles. C'est des melons, hein. C'est des melons, exact. Des pastèques. Ouf. Et ils l'ont un peu abusé d'ailleurs parce qu'elle est un peu difforme là, carrément, elle est tellement ils sont gros. Ouais, ouais, elle regarde, avance en mode. De... Ah, elle arrive pas à passer. Regarde, zoom. Carrément, ils font plus gros, ils sont plus gros que sa tête. Oh putain. À peine pas de attends, pervers. Attends, on s'en fait. C'est grave, vas-y, zoom. Je laisse rien. Bon, viens, on va se casser. Le bâton Kazra. Oh, comme c'est généreux, une phalène flétrisseuse. Bon, on aura de temps. 2 secondes. Il me semble que c'est pas où je vais, non? Elle est anormalement grande pour un insecte. Et il semble que ça fait pas mal de dégâts, en fait. Une puissante déchirure. Pourquoi il fuit quand elle se sent menacée? Il fuit. Ah, embuscade. Allez, moi je peux me rendre invisible, bande de petits caca. En fait, je vous conseille de ne pas pousser trop loin la curiosité. Un arbre. Ah, vous voyez que les arbres maintenant ils ont nouveau un autre nom. Marcheur des hautes terres. Avant ils avaient quoi de nouveau? Un tronc, un truc, non. Je sais plus. Pourquoi ils avaient pas ça, quoi. Suite à leur transformation en Kazra. Ouais, nickel. Moi je pense que je vais bientôt m'acheter les objets. Ouais, ouais, moi à la fin de cet épisode, enfin début du prochain épisode. Ah, on avait pas dit quoi au début de cet épisode, c'est ça. Bah voilà, début du prochain épisode, promis, on ira dans l'hôtel des ventes. Là, je vais. Oh, on a. Oh, purée. Et pourquoi il écrit Ghost dit je suis en pleine forme? J'ai pas dit ça. Si, mais il dit ça. Ça, c'est les petites phrases du jeu. C'est parce que t'as récupéré ta vie. Ouais, ok. Ou alors là, il y aura un boss aussi. Ah, là, on a le bâton. T'es sûr qu'il y a un boss? Oui. Bah, il y a Nalgban. Nalgban, le fétide. Ouais, Nalgban. D'ailleurs, il est en train de se faire bien éclater. Oh, purée. J'ai failli mourir. Sérieusement? Ouh, des mantelets en cuir, des épaulettes. J'ai 21 potions mineures et 9 potions de vie. J'ai eu des épaulettes. T'as quoi? J'ai eu des épaulettes. Ah, enfin. Bon, voilà, j'en achèterai moi dans l'hôtel des ventes. Sûrement. Moi, ouais, elles sont aussi des épaulettes en cuir. Hein. Ça m'augmente bien là. Tiens, ici, il n'y a pas une tour spéciale? Non. Non, on peut pas passer. De temps en temps, il y en a une. Ah, il est bientôt 15h. Non. On va encore faire un peu durer l'épisode parce que là, sinon, je trouve que ça fait un peu court, 20 minutes tout pile. Enfin, je sais pas toi. J'aime bien. Ouais, on va faire un petit peu encore 5 minutes. Ouais, voilà. Ah oui, là, ici, je me rappelle. Mes chauves-souris bug. Ah, voilà, c'est bon. Genre quoi, elles apparaissaient pas? Si, mais enfin, elles se cassaient contre la porte alors qu'il n'y avait plus de porte. Ah oui, en effet. Elles avaient un petit bug. Oui. Ah, attends, là tu peux tirer sur ceux d'en haut. C'est pratique parce que ça évite qu'on se fasse tuer à chaque fois. Toi, il y a un arbre, un marcheur des hautes terres derrière. Bon, souvent, je me le fais. Ouais, moi je tue ceux de devant, tu tues ceux de derrière. Potion de vie inférieure. Je prends. Un animal mort. Crever, bande de fumiers. Voilà, ils sont tous morts. Vraiment, je trouve les décors sont super bien faits.
Ouais, c'est vrai que ça c'est joli. Bon, même si là je peux pas jouer en qualité max vu que j'enregistre, je veux dire. Ouais, mais c'est... là je pense qu'ils verront mieux les décors quand même. Oui, c'est là, là c'est du HDR, là je peux te dire. Non, mais le truc c'est qu'avant c'est pas moi qui avais réglé la qualité dans le jeu, tu vois. La qualité dans le jeu j'avais la même, mais le truc c'est que j'enregistrais en mauvaise qualité. J'enregistrais en half size, donc même pas en. Tu vois, en vrai tu prends les dimensions correctes. Et half, je pense, c'est-à-dire la moitié, l'engin. Oui, half, oui. Tu vois, j'enregistre en 640x480, maintenant j'enregistre bien en 1280x720, comme la qualité du jeu, donc ça rend plutôt bien. Les chauves-souris traversent les arbres. Même s'il y a plus souvent des petits freezes, mais je veux dire, c'est comme sur Minecraft, c'est des freezes qui se voient peut-être même pas chez eux. Ouais, et puis même, hein. Enfin, c'est vraiment très, très infime. J'arrive pas à ramasser, voilà. J'adore. Ah d'accord, on arrive sur une grande arène. Bon bah je pense qu'on va quand même se laisser là. Bah ouais, on est arrivé sur un nouveau terrain, c'est bien. Voilà. Donc on espère que cet épisode vous aura plu. Nous, ça nous a fait très plaisir de tourner avec vous. Moi je vous dis abonnez-vous et like et on se voit à la prochaine fois, hein, prochain épisode. Bah allez, comme dernier truc, on bat les Fallen Futrisus ouais, champion. Bah, on bat tout ça et on se dit au revoir, définitivement. Enfin, définitivement pour cet épisode, hein. Oui. Voilà. Donc, voilà. Pensez à vous abonner, à liker, nous, ça nous fait super plaisir. Salut tout le monde. Salut.